Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dino Park. Donc j'ai un petit peu travaillé pendant cette semaine hein. Un petit peu, pas énormément, enfin quelques, peut-être 5 heures, je sais pas, peut-être à peu près ça, hors vidéo. Donc je vais tout de suite vous le montrer. Donc vous voyez déjà, j'ai modifié depuis la dernière fois cet enclos. Voilà. En plus j'ai pas World Edit donc c'est pas si simple que ça. Et donc j'ai un petit problème en fait, c'est qu'au début j'avais mis Coral Reef. Et donc voilà, j'avais mis Coral Reef avec, vous voyez, tout ça, j'avais mis ça, il y avait des corails, c'était super joli. Sauf qu'il meurt dedans. Et même quand il n'y en a pas, il meurt. Donc je sais pas quoi faire. Voilà. C'est tout. Ensuite j'ai un petit peu amélioré, j'ai mis des cascades pour que ce soit plus joli et j'ai remplacé ça. En plus, il n'y a pas World Edit, donc c'est super long. Donc là aussi, je suis en train de reboucher tout ça. Hop, je rebouche. Et donc, bah c'est plus long hein, et ça avance moins vite. Donc j'essaye de d'installer Single Player Command. Ensuite, j'ai installé un ascenseur. Donc vous voyez, on peut voir du dessus. Et on peut voir un peu moins haut, deuxième étage. Après c'était pas fait exprès. Deuxième étage, ça c'est pas ce que je voulais. Normalement faut pas aller au deuxième étage, faut directement aller au premier étage. Parce que regardez, deuxième étage, ce que ça fait, c'est qu'on peut avancer. À moins que je mette des barrières. Ouais non, après ça fera un troisième étage. Ouais. Donc si on avance, et bah voilà, ça fait ça. On voit l'herbe qui est là, donc c'est problématique quand même assez, à moins qu'on regarde comme ça là, mais qu'on regarde pas trop en dessous. Voilà, donc normalement on pourrait les voir comme ça, transparent. J'ai pas mis de vraies vitres, j'ai mis des trucs transparents qui voilà. Hop. Cela, hop, voilà. Et donc vous aurez pu voir que j'ai changé de pack de texture. J'ai changé de pack de texture, je suis revenu au défaut car plusieurs personnes et on n'aime pas trop le pack Faceful Pack. Ouais. Et donc ils m'ont conseillé. La plupart des personnes m'ont conseillé un pack de texture qui a une autre personne que vous connaissez sûrement. A fait comme aventure. Très belle aventure. Hein. Gus DX. Ils m'ont conseillé leur pack. Je l'ai téléchargé. Le pack de Gus DX. Donc il y a plusieurs. Plusieurs changements de texture hein, qui est assez sympathique. Donc il y a la glace qui est comme à peu près comme j'avais mis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, ah ça c'est la brique. Voilà, il l'a mis en une sorte d'herbe, enfin de foin on dirait. Voilà, stone slab et tout le bazar. Ensuite, qu'est-ce qu'il avait modifié d'autre? Après il y a toujours les bugs de texture. Je crois qu'il avait modifié ça, c'est pour voler. C'est un mode que j'ai installé aussi. Mais voilà. Donc voilà. Ensuite j'ai fait des toilettes. Ouais bon. C'est des toilettes sympathiques avec le mode. Le mode, comment il s'appelle déjà, Jimmy's Furniture, voilà. Je crois que c'est ça. Donc vous avez les éviers pour se laver les mains. Là vous avez les toilettes un peu transparentes. Ah bonjour. Ah ça va. Ah elle est grosse celle-là. Ouais bon. Et ça c'est pour faire urinoir là, c'est pour les hommes, voilà. Debout avec, j'ai essayé de... Faudrait peut-être que je change, mais j'arrive pas trop à changer, c'est pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas créé. Après sinon j'aurais pu le faire. Ah, ça je vais... Non. Laisser 3 de hauteur, ça va. Ensuite là j'ai... Ah on dirait que le toit... Voilà, ça c'est ce que j'ai oublié de faire. Rajouter une hauteur à tout ça. Ça à l'intérieur, il n'y a pas besoin. C'est juste les murs porteurs qu'il faudrait mettre une hauteur en plus. C'est tout. Ensuite, voilà, c'est tout. Ouais. Sinon, les murs, ils sont le toit est volant. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est sympathique. Hein. C'est plusieurs personnes qui m'ont conseillé ce pack. Après. Oui c'est vrai qu'il a fait un très beau zoo, j'ai regardé, ils m'ont conseillé d'aller voir, ça me donnera peut-être des idées de construction. Mais c'est vrai, j'ai regardé le dernier épisode, c'était un très beau zoo hein, qu'il a fait. Voilà, donc si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne.
vous le trouverez, hein, vous avez juste à marquer ça. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? On va continuer ça et on va pas s'attaquer aux brachiosaures. J'ai pas trop d'idées d'enclos pour le moment qui seront là-bas, hein, je rappelle. J'ai continué un peu la muraille, j'ai continué le sol qui est assez long à faire. Mais voilà, l'entrée sera vers là et les brachiosaures seront vers là. Voilà, ici pour combler un peu le vide. Là, t'auras une grande entrée, là qui fera tout ça et tu rentreras. T'auras peut-être un parking, je sais pas, à voir, mais bon. Voilà. Ensuite, ah, des montagnes flottantes, on y croirait dans Avatar. Enfin, des rochers. On va les couper un petit peu. Bonjour. Que fais-tu là-haut? Oh, oh, pardon. Pardon, pardon. Voilà, donc, il est mort. Toutes mes excuses. Je suis navré. Voilà, donc, on pourra faire de la déco. Hop. On pourra faire de la déco. Voilà, c'est plusieurs personnes. J'ai oublié votre nom. Je suis désolé. Mais bon, voilà. Ensuite, là aussi, il meurt dans les blocs. Je sais pas comment ils font. En fait, je crois qu'il y a plus trop d'angle pour eux. Il meurt dans ces blocs là. Donc je sais pas. Je verrai comment faire. Ce côté, je vais essayer de le modifier. Je sais pas, je trouve ça trop renfermé en fait. Voilà, j'ai fait les toilettes de l'angle. Ça c'est pour rester dans l'idée de cet aquarium. Voilà, c'est un aquarium ça, on va dire. Qui... Ah bah il est mort. Ah bah non, j'ai commencé l'épisode, il était déjà mort. Voilà, j'ai ses ossements, squelette. Normalement, je peux pas le poser. Non mais regardez, non. Ah je sais, non. On peut essayer. Non, on le fera plus tard. On le fera plutôt vers là-bas. Mais donc voilà, ça va être vachement plus long de faire... De construire le parc sans single player commande, donc... Je fais beaucoup plusieurs vidéos. Sinon ça je le faisais en 2 secondes, hein. Même pas, hein. Tu fais slash slash 7, tu sectionnes, tu fais slash slash 7, je crois que c'est 5, je sais plus, hein. Tu fais l'idée du bloc et bim, t'as tout ce qui est rempli, hein. Donc c'était vachement plus rapide. Mais je trouve que ça avance bien, ça avance pas mal, c'est sympa, c'est pas sympa. Donc j'avais l'idée de faire aujourd'hui... On va pas trop s'attaquer, on va pas faire énormément de trucs improbables et trop jolis. On va commencer à faire... qu'est-ce que je vais faire déjà? J'ai oublié. Vélociraptor. Je sais pas, une sorte de cuve ou je sais pas quoi, comment t'appelles ça? Une île, je sais pas s'il nage en fait. Non, ça, je vais plutôt le faire avec les gorilles comme au zoo de la Palmyre, les trucs comme ça. Je sais pas si vous connaissez, très beau zoo. Le plus beau, je crois que c'est Beauval que j'ai vu. Je crois que c'est... En même temps, je crois que j'en ai vu que 2. Ah non. Plusieurs. Mais bon, très beau zoo. Hein. Même s'il n'y a pas de vélociraptor. Mais on va s'inspirer de plusieurs véritables zoos, comme je vais essayer de m'inspirer de l'entrée de... Du comment ça s'appelle ? Du zoo de Beauval pour l'entrée. Je vais essayer de la... pas de la reproduire, mais m'en inspirer avec des trucs. Et peut-être construire un... Comment ça s'appelle ? Un tyrannosaure, mais gigantesque. Hein. Avec des blocs de laine. À voir. Hein. C'est vraiment à voir. Donc là, on avait dit ça. Et là, ce sera la séparation. Là, ce... À partir de là, je crois qu'on a utilisé... Enfin, on s'est occupé de tous les... Comment il s'appelle? Dites-moi comment il s'appelle! Ah oui, ça servait vraiment à rien. De... Comment... De ceux qui mangent que de l'herbe. Ah, mince. Mince. Ah, des nouveaux outils. Je crois que c'est... Ouais. Mince. Ah, oh, parrot. Faut tuer des perroquets, oh, les pauvres. Des herbivores, voilà. En plus, je le savais, le nom. Mais, donc, on a fait ça. On a fait lui.
Ça, c'est pas un herbivore, c'est un poissonvore. Je sais plus comment c'est. Carnassier. Non, c'est que les poissons qui c'est des carnassiers, je sais plus. Plésiosaure. Ah non, on n'a pas fait. Ah si, on a fait le plésiosaure. Mosasaure, ça c'est carnivore. Hop. Brachiosaure, on l'a pas fait encore. Mais j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de m'attaquer au Potyrex. Mais peut-être au Vélociraptor. Voilà. Nous avons les Vélociraptors en main. Et maintenant, il faut savoir de où c'est qu'on va les placer déjà. Où allons-nous placer les Vélociraptors? Donc, là déjà, il manque un truc. Ici, là, je dirais comme ça, la forme de... Pas triangulaire, mais forme, je sais pas. Pas triangulaire en tout cas, parce que c'est trop... Voilà. Mais les Vélociraptors, je les verrais bien. Là. Là. Ici. Là, là. Ici. Ouais, là, ça va. Attendez. T-Rex. Là, je vois des T-Rex. Et comme moi, hein, T-Rex, imaginez-vous. Il faut de l'imagination. Ici, je mettrai... pas une cuve, mais on plongera en fait en profondeur dans un tunnel souterrain. Et en fait, il y aura des cristaux, voilà, des stalactites qui sont dans un mode, je crois que c'est... Ah, je sais plus le nom. Ça embellit les cavernes en fait. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Style, vous savez, voilà, stalactites, stalagmites. Ah non, ils font ceux des stalactites. Ça, c'est... Voilà, des colonnes. Sandstone stalactite et y a stalagmite, voilà. Voilà. Et donc voilà, je voyais bien ça comme ça. Les colonnes. Voilà, avec voilà. Donc je vois bien ça comme ça. On va en profondeur en fait. Voilà. Et il y a une grande salle en fait avec des cristaux. Enfin, des cristaux en haut, des stalactites. Je crois que ça éclaire. À voir, attendez. Je vais. On va prendre stalactite comme ça. Je sais pas, hein. On va creuser. On va tester ce mode. Est-ce que ça éclaire? Non, ça n'éclaire pas. Il me semblait qu'il y avait un truc qui éclairait dans les grottes. Aïe, ça éclaire ou pas? Ça, ce sera pour le... Pour quand on fera les âges de glace, là. Mais voilà, on trouvera un truc pour comment... Comment dire? Comment est-ce qu'on pourrait dire? Pour éclairer. Le mot qui est trop simple à trouver, mais que je n'arrive pas à trouver. Faudrait que essayer de limiter la le spawn des animaux que je vais essayer de faire. Mais donc voilà. Je sais même pas combien de temps ça fait que je tourne, mais bon, on verra bien. Donc on va poser les bases pour voir à peu près la forme que je vais lui donner et la taille surtout. Donc déjà je sais, on va essayer de reproduire leur naturel. Déjà c'est dans une forêt dense qu'ils vivent. Dense dense hein. Vous voyez dans Jurassic Park à peu près le 3 si vous l'avez vu. Je crois que c'est le 3. Ouais ça doit être ça. Dans Jurassic Park vous voyez à peu près si vous l'avez vu. Je sais pas, je vais essayer peut-être de retrouver une photo. Vidéo, je sais pas, à voir de Jurassic Park et je la mettrai, je la glisserai peut-être à ce moment-là, là, top, là, maintenant. Si vous l'avez pas eu, là, c'est-à-dire que je l'ai pas fait ou que j'ai pas trouvé. Et donc, vous verrez peut-être l'endroit où il se trouve dans une forêt dense, avec juste après, il saute à l'arbre qui grimpe très bien d'ailleurs. Enfin non, il grimpe pas. Ouais. Et donc, j'aimerais bien reproduire cet endroit avec forêt dense, très dur à observer. Et il y aurait des pontons, en fait, d'arbre en arbre, qu'on monterait avec un escalier.
on monterait avec un escalier et on essaierait de les observer de nos cachettes qui seraient suspendues à des arbres et camouflées. Voilà. Oui, c'est très... pas facile à comprendre comme ça, mais bon, vous verrez peut-être mon idée. Donc, déjà, je veux faire... avec les... non, ça c'est... Non, j'ai une autre idée comme dans le... voilà. Donc, j'en mets plusieurs. Hein. On va faire la taille en bouse. Non, déjà, faut faire un petit espace. Là, je verrais bien... pas totalement au milieu, mais plutôt dans ce... dans ce coin-là, voilà. Ici, là. Un resto. Les herbis. Non. Le nom du resto. Dites-moi un nom du resto qui a un rapport avec ça. Et... non, que avec les herbivores. Je vais pas l'appeler le herbivore, hein. Ça le fait pas trop. Mais donc, on va le mettre par là. Car je vois bien voilà. Donc, faut imaginer déjà la place que va prendre l'autre. On va le loger par là. Pas trop centré non plus et pas trop rond. Parce que j'ai remarqué que j'avais fait pas mal de ronds là et là-bas. Donc ça fait un peu rond. Ouais, je crois que j'ai déjà dit ça. Mais bon, on s'en fout, hein, vous vous en foutez carrément. Donc on va... pas trop dingue pour pas qu'il meure, mais je crois qu'il est petit. Donc je pense pas que... qu'il meure si facilement que ça. Donc, voilà. Ça, de toute façon, ce serait la face cachée parce que ça va faire... la muraille va faire comme ça. Il va rejoindre. Donc ça, ce sera l'arrière. Ensuite, ça, ça va aller en s'agrandissant. Hop. 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 3. 4 même. Et là. Comme ça. On repasse comme ça. Fleur. Pourquoi on peut pas poser? Faudrait qu'il le mette dans la prochaine mise à jour. Enfin, même si maintenant elle est 1.6.2 est sortie, je l'ai même pas testé. Hein. Comme quoi, je suis à fond dans Dino Park hein, en ce moment. Voilà. Donc, ouais, je l'ai même pas testé. Ça fait quoi? Ça fait un peu grand, non? Mais non, j'en mets plusieurs. Je vais peut-être agrandir d'autres enclos aussi. Parce que c'est des dinosaures en fait, faut penser que ce soit des dinosaures. Parce qu'après, on s'occupera des animaux, mais. Les enclos des animaux seront plus courts. Enfin, moins gros que ceux des dinosaures. Parce que ce sont des animaux. Et les dinosaures sont censés être gros. Voilà. Ça, ça continue comme ça. Et ça s'élargit. Voilà. Ça fait gros quand même. Non, ça fait parc. Voilà, le mot que je cherchais. Enfin, un parc naturel, une sorte de parc naturel. Et en fait, ça fera vraiment truc sécurisé avec... ça descendra pas en fer, ce sera en... Ah bah voilà! De quoi je pourrais me servir? Faire une sorte... par exemple, je prendrais en photo une... avec un appareil photo que j'ai toujours pas cherché comment ça marchait, une jungle, et je poserai un grand panneau en photo pour faire comme si ça continuait en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour faire sorte ouais, et non, on sera beaucoup plus haut. Donc ouais, je sais plus de quoi trop je parlais, ça fait une petite pause quand même. Ouais, j'ai un appel et des trucs comme ça. Un petit appel. Et donc, ouais, on parlait de prendre la photo, de voir comment ça marchait déjà. D'imprimer, ça déjà c'est moche. Enfin, c'est pas bien. C'est trop court. Moi, que je mette un arbre ici. Ouais, je mettrai un arbre. Mais voilà, on mettra de l'arbre de la jungle et non, non les arbres que nous donne ce mode. Hein. Le mode fossile archéologie. Et donc j'ai toujours pas... je sais pas s'il existe en fait. Ouais. Je sais pas s'il existe le... comment il s'appelle? En la version que je veux, le mode... comment ça s'appelle? Dites-le-moi! Oh, vous servez à rien ou quoi? Le mode préhistorique. Voilà, préhistorique mode.
Hop, ça va partir comme ça. Voir s'il est en 1.4.7 pour voir si je peux l'installer ou pas. Et je crois qu'il l'est pas. Je suis pas sûr en fait. Voilà, j'ai vu. Ça rajoute pas mal de dinosaures. Hein. Des trucs qui servent à rien comme les slim noirs ou les trucs comme ça, mais bon. Ça peut pas mal servir. Hein. Hop, ça on va passer comme ça. Non, ça je fasse. Là, il y a trop de zigzags. Hop. On va essayer de réduire. Hop, comme ça. Comme ça. Comme ça, voilà. J'aurais voulu le dire, ça a été plus vite, mais bon. On se retrouve à l'âge de pierre. Hop. Donc là j'ai une idée, je vais mettre un spawner pour faire spawner des cochons pour qu'ils puissent les manger. Voilà, des vaches, des cochons, et tout ce que vous voulez. Hein. Dites-moi ce que vous voulez, hein, même des oies, je crois qu'il y en a en plus. Ouais, des trucs qui sont comestibles pour les vélociraptors. Oh, bah ça suffira, je pense. Hein. Je pense même... Non. Non, non. Je pense que ça suffira. Oh, les bugs de texture. Oh là 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 là, c'est horrible. Ouais, ça va, comme ça, c'est la grandeur. Remarque, c'est pas si grand que ça. Hein. Je sais pas, je l'ai fait en profondeur ou pas. Faudrait que je creuse tout ça. Ça va me faire du boulot. Ouais. À moins que je le creuse pas et que je fasse tout en relief en fait. Que je creuse que les parties que j'aurais besoin, que je laisse en hauteur celles que j'aurais besoin. Je suis en train de décider en fait là. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de voir. Je suis en train de m'imaginer le truc, en fait. En fait, non, j'ai peut-être creusé que de deux. Que de deux, tout ça. En fait, ce sera tout plat, mais ce sera les reliefs avec les feuilles que je poserai par terre et tout le bazar qui donneront l'ambiance, en fait. Et là, t'auras une grande vitre. Comme ça, et tout le tour, t'auras de la jungle. Non, mais ça, je pense pas, en fait. Je sais pas, à voir. Je sais pas, t'auras peut-être de l'eau ici, là. Voilà, de l'eau et tout autour d'une forêt dense. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Je pense, ouais. Ouais. Donc, voilà. Ensuite. Et voilà, j'ai vraiment comme ça, les enclos. C'est à l'instant. C'est vraiment à l'instant. Non, en fait, de 1, on va juste creuser, on va remplacer la pierre par... Comment ça s'appelle? De l'herbe, voilà. En fait, avant de faire ça, j'aurais dû penser au boulot que ça va me prendre. Mais non, en fait. Plus il y a de boulot, normalement, plus c'est joli. C'est pour ça que l'autre, c'était pas... Je dis pas que c'était très moche, mais bon. Vous êtes d'accord que l'autre ne valait pas déjà le début de ça. Enfin après tout le monde a ses goûts, mais dites-moi, ceux qui ont regardé la saison 1, ceux qui l'ont pas vu, allez la voir, vous verrez mes commencements. Allez, regardez. L'herbe me donne des windows. Des fenêtres. Je sais pas pourquoi.
Allez, des pommes, des poires. Des trucs qui servent à rien, quoi. On va dire c'est de l'herbe. Mais là, tu vois, je suis en train de travailler sur une nouvelle série. Que je vais peut-être mettre à la rentrée, à voir, je sais pas. Aucune idée. Et ouais, ça me donne un petit peu de préparation. Hein. On va installer ça avec des mods encore. C'est ce qui vous plaît. Il n'y a pas eu beaucoup de séries sans mods, et sans mods, ça n'a pas beaucoup marché. Donc, en fait, c'est le principe de ma chaîne. Hein. On utilise Minecraft pour jouer. Et ouais, je suis en train d'essayer de créer une petite série. Pion. Meurs. Ah, papillon, j'aime pas ça les papillons. Et ouais. Pourquoi il y a que des papillons? Je veux pas de butterfly. Ouais, peut-être qu'il me sert un papillon. Je rentrerai pas dedans. Mais bon. Pourquoi il y a des papillons immenses en fait? J'ai vu un papillon immense. C'était vraiment très très immense en fait. Et beaucoup. Et ouais, je vais... Ouais, ce sera une petite série que... Je vais pas tout vous spoiler, mais ce sera sympathique. Ce sera plutôt... Enfin... Comment dire? Comment je vais expliquer? Ce sera plutôt... avec les bases. Il y aura pas d'armes, il y aura... Enfin si, mais je veux dire, ce sera plutôt pas moyenâgeux, mais je veux dire comment expliquer oh mince, j'ai un trou avec je sais pas, avec des monstres, des nouveaux monstres en tout cas, des, je sais pas, vous verrez en tout cas, et vous me direz ce que vous en pensez. Et je vais essayer un nouveau mode. Pas un nouveau mode, un mode Minecraft, mais un, une nouvelle sorte de, comment je vais tourner les vidéos en fait. Dans cette série, j'ai essayé un nouveau truc et vous verrez bien. Si je le fais, hein, je n'avance pas trop non plus parce que... Mais j'ai bien en tête et j'ai intention de le créer. Voilà. C'est tout, je vous dis plus rien. La discussion est close. Voilà. Parce que je me suis aperçu en fait qu'il n'y avait pas beaucoup de séries en cours. Et que... Bah... Et bah c'était... Je veux dire, deux vidéos par semaine. Pas énorme, énorme. Je sais que je pourrais rajouter Kino Park, mais... Il y a énormément de boulot à... Bah, c'est peut-être une heure tous les soirs et... Bah une heure peut-être. Ouais, pas loin... Pas loin de 2 heures en tout cas tous les soirs. Alors, en m'occupant d'autres séries. Hein. Enfin, je peux pas tourner du Skyrim. Hein. Enfin, j'ai plusieurs épisodes d'avance. Mais bon, je pourrais pas vous mettre un Dino Park, pas deux Dino Park par semaine. Ce serait... Ça ferait beaucoup trop de boulot en très peu de temps. Voilà. Pour ça. Sinon, je veux bien. Hein. Mais je veux dire, c'est... vous avez quand même bien m'aider. Mais non, j'avais, je sais pas, je vais peut-être pas s'en servir à voir. J'arrive à installer les mods sur le serveur, à voir. Je verrai bien, je verrai bien. Mais je pense que là, en fait, ça fait assez longtemps que je... Que je tourne. Donc, bah... On va se dire au revoir. Donc, je vous dis à plus tout le monde. N'oubliez pas de partager cette série, de parler avec le monde, enfin, avec vos copains, avec vos parents aussi, si... Si ça vous plaît, regardez ça en famille, ce sera sympa. Mais ouais, parlez-en à vos copains, à vos amis, et abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas aimé. Et commentez surtout. Comme ça, ça vous donne mon... Ça me donne votre avis sur ma... Sur mes créations, voilà, les vidéos sur mes créations. Et ça me donne votre avis, votre perspective avec le soleil qui se couche derrière, c'est bien. Mais votre avis sur ce que vous voulez, ce que vous préférez, ce que vous aimez pas trop... Sur mes façons, etc. Donc je vous dis à plus tout le monde et on attend que le soleil soit couché pour qu'on se quitte. Allez, bye.
Quel joli coucher de soleil. J'ai dit, je tant qu'on verra plus le coucher de soleil. C'est la première fois que j'observe un coucher de soleil dans Minecraft autant. C'est joli en fait. Ou un lever de lune. Non, c'est moins intéressant. Allez, c'est bientôt fini. Et je vous dis à la prochaine pour samedi prochain. Bye bye.